Yo tout le monde, yo les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. Je suis une vraie mitraillette. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage parce que j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu particulière. Ça ne sera pas un tuto, ça ne sera pas un tips roulage, car actuellement je suis en train de changer le turbo sur mon camion et j'ai pas de véhicule pour emmener les motos. Le seul véhicule que j'ai, malheureusement, c'est cette belle Clio. Véhicule du peuple. Ça va être vraiment très 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 difficile de mettre une moto dans cette magnifique Clio du peuple. Quoique, tout est possible, je le dis toujours, tout est possible. Vous pensez que ça rentre? Ouais, ça rentre, ça rentre, ça rentre. La vidéo d'aujourd'hui va vraiment traiter sur quelque chose qui est pour moi le plus important à respecter régulièrement. Quelque chose qui peut vous sauver la vie, quelque chose qui peut vous empêcher de vous faire très 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 mal, quelque chose qui peut vous aider à vous améliorer, à prendre du level. Parce que je sais, t'as envie de prendre du level. C'est normal, t'as envie. Même moi, j'ai envie de prendre du level. Ça peut même t'aider sur certains tricks quand t'arrives pas à les faire. Le sujet d'aujourd'hui va vraiment traiter sur quelque chose d'important, c'est-à-dire checker votre moto vraiment régulièrement, vérifier tout l'état de vos pièces, que ce soit les vis, l'électronique, etc., etc. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, généralement, je révise ma moto au moins une fois par semaine, voire deux fois dans la semaine. Et vous savez que si je ne le fais pas, je me sens pas bien, je me sens pas à mon aise, parce qu'une moto, ça bouge, ça travaille, toutes les pièces bougent, toutes les pièces travaillent. Donc, c'est vraiment très important de checker sa moto régulièrement pour pas se faire mal, pour évoluer le plus rapidement possible, que la moto te paraisse à l'identique toujours, parce qu'une moto, ça travaille, que ce soit un châssis, que ce soit les vis, que ce soit l'électronique, il y a tout qui bouge, il faut tout remettre en place. Une moto vie en quelque sorte. Donc aujourd'hui on va vraiment parler du plus important, checker votre moto régulièrement. Je vais vous montrer qu'est-ce que je check sur ma moto régulièrement pour être le plus en sécurité possible. Déjà premièrement, qu'est-ce que c'est que cette moto? Parce que je dois avouer, quand t'es pas puriste et que tu ne connais pas, tu te dis mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette bike? Cette moto, c'est un 636 Kawa de 2003-2004. En tout cas, surtout le moteur et quelques pièces autour. Pourquoi ce moteur-là? Parce que pour moi, c'est un moteur les plus costauds, qui est polyvalent, sans rentrer dans la nouveauté. On va pas rentrer dans tous les détails de pourquoi ce moteur-là, mais pour moi, honnêtement, il y a énormément d'avantages. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo de pourquoi j'utilise vraiment exclusivement ce modèle-là. Je vais surtout vous faire une présentation grossière. Oui, je sais, ça a pas du tout l'air d'un 636 Kawa de 2003-2004. Beaucoup de gens me disent que c'est une Honda ou une Ducati à cause du 4 tubes, qui est généralement plus commun sur les Ducati, mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment une Kawasaki. Pourquoi j'ai un 4 tubulaire? Tout simplement parce qu'un 4 tubulaire c'est beaucoup plus solide et je peux avoir mon angle de chasse voulu et mon angle de braquage que je souhaite. Voilà, c'est tout simplement ça. La fourche, c'est une fourche de ZX6R de 2012, réglée à ma sauce bien entendu. Moi j'aime bien utiliser un guidon, mais il y en a beaucoup qui utilisent des clip-on. Handbrake. Handbrake, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, handbrake, ça permet de, comme son nom l'indique, handbrake, d'avoir un frein au guidon avec l'embrayage, ce qui vous permet de braquer et de freiner en même temps. Je vous ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse aussi. Bien entendu, des crash cages pour pouvoir tomber, ça fait mal, sans esquinter le moteur et sans esquinter les yeps ou les pieds. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des yeps. Vous avez aussi une grosse couronne, j'allais dire une petite couronne, mais c'est quand même une couronne assez grosse, pour avoir beaucoup plus de pêche et de patate, et aussi pour avoir beaucoup plus de frein moteur. Ça te permet aussi de beaucoup plus ralentir en wheeling, sans avoir à caler. Parce que plus tu as une petite couronne, plus ton moteur va caler hyper vite. De l'autre côté, vous avez une petite platine 3 étriers radiale, c'est-à-dire que tu as 8, 9, 10, 11, 12, vous avez 12 pistons, donc deux freins à la main, un au pied. Les deux étriers ici sont reliés jusqu'à la main qui est juste ici. Et le frein au pied, juste là, qui est relié à l'étrier doré, juste ici. Grosso merdo, vous avez aussi deux ventilateurs au niveau du radiateur, un à gauche et un qui est juste là, à droite. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la moto, bien entendu. Là, vous avez les cornets de chez KN, un partenaire, la rampe à injection qui est juste ici. Là, vous avez le capteur d'éthanol qui détecte l'indice d'éthanol, la température, l'indice d'octane dans votre carburant. Parce qu'il faut savoir que cette moto roule vraiment 100% à l'éthanol. Grâce à mes amis de chez Turnbike qui ont fait un boulot de monstre sur ma moto, je vais aller les voir, on fera une vidéo exclusive juste là-bas. Mais je peux vous dire, maintenant, elle a vraiment la niaque. Elle a vraiment la niaque de dingue.
dingue. Merci, merci Franck. C'était vraiment une présentation très sommaire de ma moto. Bien entendu, il y a beaucoup plus d'équipements, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait parler, comme la pompe à eau, on pourrait rentrer plus en détail, pourquoi l'éthanol, quoi, tu as mis une plaque juste ici, permet d'amortir au niveau du réservoir, pourquoi tu as printé une pièce pour le mettre juste ici au niveau de l'avant de ton réservoir. D'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo de l'intérêt d'investir dans une imprimante 3D. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'investir dans une imprimante 3D. Il y a énormément de pièces sur ma moto qui sont en impression 3D. Comme les petits passages de câbles, les petits serres d'urite en quelque sorte, permet d'avoir quelque chose de très clean sans avoir de durite ici. Vous voyez, la durite est passée dans l'axe de colonne de fourche. Les durites sont passées juste ici et j'ai printé ces petites pièces là pour pas avoir de durite dans les pieds quand je les mets juste ici, parce qu'il y a beaucoup de figures où on va mettre ses pieds juste ici, voilà. Donc voilà, présentation sommaire c'est fini, mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo beaucoup plus poussée sur la présentation de la moto. Bon, commençons. Bon, je vous avoue que je vous ai pas attendu, j'ai déjà démonté les selles, j'ai déjà démonté le réservoir qui est juste ici. Il y a trois réservoirs d'ailleurs, parce que je suis en train d'intervenir sur trois motos différentes, la noire, la rouge de secours et la rouge, ma préférée, celle-là. Et j'ai aussi un petit peu checké déjà à vue d'œil ce qu'il y avait à rectifier, ce qu'il y avait à vérifier, et s'il y avait des pannes ou des problèmes en soi. J'en ai déjà vu des problèmes, j'en ai déjà vu. Exemple tout bête, vous voyez, j'ai checké vite fait la moto, mais vraiment vite fait, et je me suis rendu compte que j'avais un fil qui ne tenait pas, qui était vraiment arraché. Ce fil qui était arraché, en plus, me servait vraiment à alimenter ma pompe à eau électrique. Pompe à eau électrique qui me sert à refroidir mon moteur, même moteur éteint. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est vraiment une très bonne idée de mettre une pompe à eau électrique sur vos motos. Même si vous en avez déjà une, ça permet vraiment de refroidir votre moto, même moteur éteint. Donc le but va vraiment consister déjà dans un premier temps, quand vous checkez votre moto ou quand vous faites votre révision, il va falloir checker n'importe quelle vis. Vous prenez une clé, vous essayez de tout resserrer à droite à gauche sur votre moto. Ça peut être les étriers, ça peut être les disques, ça peut être tout ce qui est les axes moteurs, les crash cages. Je suis sûr que mon crash cage... Ah bah voilà. Vous voyez, il est desserré. Très important de faire sa révision, très important. Il faut que je resserre mes crash cages, vérifier votre roue, changer votre pneu s'il est mort. Là, on a encore un petit peu de pneu, donc ça va. Donc ce qu'on va faire, on va vraiment réviser chaque pièce, chaque petite chose sur votre moto, ce qui va vous aider vraiment à être en sécurité, je le répète, avoir une moto saine qui vous permettra de ne pas vous faire mal, de ne pas te cracher. Cracher comme ça, par exemple. Donc, première étape, bah oui, il me faut des outils. Au passage les mecs, quand vous enlevez un boulon et que vous devez le remettre, avant de le remettre, je vous invite à le mettre un petit peu de graisse au niveau de ton filet. Ça permettra que tu galéreras beaucoup moins à enlever ta vis après. Donc tu mets un petit peu de graisse, c'est un ordre, et tu verras que ça fera du bien à tes vis et tu galéreras moins pour les desserrer. Juste comme cela, vous mettez juste un petit peu de graisse sur votre filet et vous verrez que ça va vous simplifier la vie lors de desserrage des vis. Parce que ça m'est arrivé souvent, quand on graisse pas forcément son filet, bah, la vis après elle est indémontable. N'oubliez pas de lubrifier toutes les pièces qui sont en mouvement. Ça va démettre cylindres qui sont juste ici, ça va aussi sur votre frein au pied. Pourquoi c'est important de lubrifier tout ça? Déjà, si tu as une pièce qui est lubrifiée, elle va s'user vraiment moins vite. Elle te durera plus longtemps dans le temps. Et ça vous évitera d'avoir une petite couille comme un frein qui grippe et qui bloque la roue et qui te fait faire un high side et puis que tu te ramasses et puis tu te fais mal et tu vois, et ça fait mal parfois. Donc, très important de lubrifier toutes les pièces qui sont en friction, toutes les pièces qui sont en mouvement. Donc, t'oublie pas, c'est vraiment très important. Tu lubrifies le petit mètre cylindre comme ça. Voilà, t'hésites pas, regarde, hop, hop, hop. Juste ici aussi.
Voilà, le petit checkage de vis serrées, c'est fini. J'ai checké à peu près toutes les vis sur la moto. Bien entendu, pas toutes les vis, mais vraiment, il faut vraiment insister sur toutes les vis qui sont apparentes ou toutes les vis comme les crash cages, le radiateur, les pegs, etc., etc. C'est vraiment très important. Aussi, les axes moteurs. N'hésitez pas à serrer vos axes moteurs. Je les ai vérifiés, je les ai pas montrés, mais je les ai vérifiés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réparer notre petite panne que j'ai détectée juste avant sur l'interrupteur de la pompe à eau. Ah, j'ai un faux contact. Donc oui, on va ressouder ce petit fil dans la cosse. On va changer de cosse et on va ressouder ce petit fil dans la cosse avec le petit fer à souder. Là, c'est un petit S100 que j'ai pour mes drones FPV. Alors, on va mettre la batterie, hop, et on va se mettre à 400 degrés. Peut-être un peu haut. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne après réparation et posage de petites gaines thermo pour pas que l'eau, on va dire, rentre dedans et fasse de la corrosion. C'est plutôt cool. On met le petit coup d'inter, tac, et ça alimente ma pompe à eau qui est juste ici et mon compteur de température que j'ai acheté pas très cher, hein, 5€ ou 10€, et je me suis fait un petit print en impression 3D pour le fixer juste ici. Voilà, la vidéo est finie, les mecs. De toute façon, il est 6h, faut que vite que je rentre chez moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé ces petites explications, j'espère que j'ai été clair dans mes explications comme toujours. C'est pas forcément évident d'expliquer quand on n'a pas forcément l'habitude devant une caméra. Je sais que cette vidéo n'est pas forcément passionnante, je sais qu'il n'y a pas énormément de choses, mais pour moi c'était très important de vous expliquer que c'était méga important de checker votre moto régulièrement. Vraiment. Clairement, ça évitera que tu te fasses mal et tu évolueras beaucoup plus vite au niveau du level. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça motive. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre comme toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram si vous voulez d'autres choses. Je mets pas tout sur YouTube, je suis un petit peu nouveau sur YouTube. Sinon, la prochaine vidéo sera avec ce petit monstre, ce petit CBR. On va aller se faire une petite session caméra embarquée. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis je pense que je vais aller rouler. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, les mecs. Peace.